Hey, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 22. Oula, j'ai dit ça super vite, hein, vous avez vu. Sur notre let's play d'Harvest Moon, Parade des animaux. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça gazouille. Moyen, moyen. J'ai pris un petit peu de sirop. Parce que, en fait, je tourne cet épisode à la suite du 21. Sauf que, j'ai pris un petit sirop, mais j'avais très très mal à la gorge et j'ai toujours très 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 mal à la gorge. Donc je tiens à m'excuser si parfois ma voix s'éraille un petit peu ou si tout simplement je tousse. Voilà. Bon, évidemment, je coupe hein, les moments où je tousse, hein, ne vous en faites pas. Mais quand même, ok. Et oui, on avait aussi un petit poussin, il est trop mignon! Qui était né. Et je l'avais baptisé Attila parce que j'avais pas d'idée, hein, aucune inspiration hein, de ma part, aucune imagination non plus, rien du tout, je m'attendais pas à ça en fait pour tout dire. Et Attila est né, et voilà, craignez-le, hein, il fait très très peur, il est très très grand, et je trouve les poussins, ils sont vachement bien faits, ils sont très très beaux, tout mignons. Mais les poussins grandissent très vite. Par contre, ça c'est... C'est comme ça. Ok. Ah, on a pas mal de tomates. Ouh, c'est la fête des tomates aujourd'hui, mon gars. Ok. Très bien. Mais écoutez, on va ramasser tout ça. Hein. Moi, je suis pas contre. Au contraire. Ah, vous voyez que d'ailleurs que ramasser que les cultures, ça fait perdre de l'énergie parce qu'on était... maximum, et là on vient de... Bon, c'est très minime, hein, mais on perd de l'énergie en ramassant les récoltes, ce qui est tout à fait logique, hein, puisque c'est très fatigant de ramasser les récoltes dans la vraie vie. Hop là. Très bien, ok. On va ramasser tout ce qu'il y a. Correct, ok. Bon, c'est pas super super. Je crois qu'on n'a pas eu de tomates extra. Ou alors j'ai pas fait attention. Eh ben, il y en a, hein. Il y en a de la tomate, hein. Là, on pourrait se faire une grande salade de tomates. Ok, bon, allez, on va sortir tout le monde. Tout le monde dehors, allez. Est-ce que j'aurais pas du maïs? Parce que le maïs, je sais jamais quand il est prêt à être ramassé. Non, là, c'est bon. Ok. Waouh, 11 tomates correctes, 3 passables. Passable, c'est pas bon du tout. 3 maïs passables aussi, c'est pas très très bon. On peut les cuire au four. On peut faire cuire un maïs au four. Je ne savais pas. Mais écoutez, on va aller essayer ça puisqu'on a un four. Ça vous dit? Allez, on va se faire ça. On est là pour découvrir un petit peu. J'ai jamais fait de maïs grillé dans le jeu. Et dans la vraie vie aussi d'ailleurs. Pas très très fan du maïs. Hop là. Enfin, j'aime bien le maïs dans les... Si, j'aime bien le maïs, mais pas grillé en tout cas. Et pas tout dur non plus. Enfin, j'aime bien le maïs qu'il y a, de, vous savez, dans les boîtes de conserve et qu'on met dans les salades ou je sais pas quoi. J'aime bien. Ouais, moi j'aime pas le maïs naturel, mais j'aime bien le maïs en boîte. Allez comprendre. C'est comme tout, de toute façon, moi je crois que je préfère tous les trucs chimiques aux trucs naturels, ça craint. Hop. Oula, on a eu un petit bug d'écran. Ah, mais arrête, je te demande de... J'arrive pas à viser, dis donc. Hop là. On a des ralentissements. Je sais à quoi c'est dû, cette fois-ci. Les ralentissements, aujourd'hui, sont dus au fait que je suis en train de faire le rendu. En même temps qu'en tournant cet épisode, je suis en train de faire le rendu de l'épisode précédent. Eh oui. C'est très l'organisation. Histoire que vous ayez au moins une vidéo ce week-end. Ouais, parce que niveau vidéo, en fait, ça dépend tout simplement de mon emploi du temps. Et de la masse de travail, de devoirs que j'ai à faire. C'est surtout dû à ça. Il y a des semaines où j'ai pas beaucoup de devoirs. Où du coup, bah, je vais pouvoir vous tourner un épisode quasiment par jour. Et il y a des semaines où je suis mais totalement débordée, où je pourrais vous tourner que 2 épisodes par semaine. Ça dépend totalement de ces facteurs. Donc je m'excuse auprès de vous si parfois vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'épisodes.
Ce qui est tout à fait compréhensible, hein. Je comprends très bien. Hop là. Je crois qu'on a tout mis à vendre, normalement il n'y a pas de souci. Ouais. Ah oui, si, on voulait essayer le maïs. Le maïs au four. J'en ai jamais fait. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. Ah, j'ai envie de tousser, excusez-moi. Ok, c'est passé. Alors on a un four, on a un four. On va essayer. On va en mettre un dans un premier temps si ça marche. Non, ça marche pas. On va en mettre deux. Tu as dû faire une erreur. Oui, très certainement. Merci de me le dire. On va mettre les deux. De toute façon, c'est du maïs passable, donc... Eh ben non, ça marche pas non plus. Pourtant, il a dit qu'on pouvait le faire griller au four, donc ça, je comprends pas trop. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était du maïs passable, hein. J'aurais pas mis du maïs parfait dans un four pour le faire rater, vous en faites pas. Le maïs passable, ça vaut pas grand chose, donc c'est pas très très grave. Ne vous en faites pas. C'est pas du gâchis en soi, pas trop. Hop là. Ah, moi je suis pas très douée, hein, de toute façon, dans la vraie vie et dans les jeux, au niveau cuisine, je... La cuisine et moi, ça fait deux. Par contre, la pâtisserie et moi, ça ne fait qu'un. Non, peut-être pas quand même, je vais pas me la péter. Mais c'est vrai que j'aime bien faire des petites pâtisseries comme ça de temps en temps. Et je me débrouille pas super super, mais je me débrouille plutôt bien honnêtement. Je fais des bons petits desserts. Hop là. Si vous êtes sage, je vous ferai des cookies, hein, que je vous enverrai évidemment par la poste, bien évidemment. Non, non, pas du tout. Mais mais je penserai à vous quand je ferai des cookies. Ah, mais mes abonnés, j'aimerais bien leur faire des cookies, mais je ne peux pas. Oula, là, 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 là. Oula, là, 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 là. Oula, là, 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 le lag de l'infini. Voilà. Comment ça bug? Comment ça bug? Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. C'est pas grave. Est-ce que Owen est ici? Je ne crois pas. Ah bah, d'accord, très bien. Ok, je viens de me prendre un gros vent. En fait, Owen, il était sur le point de sortir juste quand je suis rentrée. Bon, c'est pas très agréable. De sa part, ah bah, je bug encore. Ça lag énormément. J'aurais peut-être pas dû ouais, faire le rendu tout de suite. Oh là là, c'est la misère. Comment ça bug? Bah, j'aime pas ça. Ça va passer, au bout d'un moment, vous en faites pas. C'est juste quand on se balade, ça bug plus. Évolution des outils. Eh oui, 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 il nous manque un personnage pour pouvoir raffiner nos objets. Et oui, donc on va pas pouvoir encore avoir d'amélioration. Qu'est-ce que... Je suis où, là? Je sais pas, je suis où? Je suis rentrée chez Ramsay, là, comme ça, au calme. Qu'est-ce qu'il y a à l'étage de chez Ramsay? On n'est jamais allé voir. Peut-être qu'on est déjà allé voir, mais bon. Comme je me souviens de rien à chaque fois. Ok, bah, il a une belle maison, en tout cas. Il a une très très bonne maison, ce petit Ramsay. Ok, mais bon, on s'en fout un peu, hein, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Quartier de la mine Ganache. Bah, écoutez, on va essayer d'aller se... Se promener sur l'île du Toucan. Et peut-être même l'île au... Je sais jamais comment elle s'appelle. Vous savez, l'île qu'on avait débloquée grâce à notre premier arc-en-ciel. Ouais, notre premier et seul arc-en-ciel pour le moment. Ouais, on va aller faire un tour là-bas. J'aurais peut-être pas dû passer par ici. Bon, c'est pas grave. Écoutez, hop. Quartier de la rivière Caramel. Donc c'est là qu'on habite. Ah. C'est là où on habite plutôt, c'est un petit peu mieux, un petit peu plus français. Ok, alors on va descendre. Tiens, je voulais vérifier combien de cœurs on avait avec Owen. Alors, on en a toujours deux, hein. Bah oui, c'est normal. N'empêche que Owen est passé au-dessus d'Hamilton, hein. Ça c'est pas mal. Et avec notre bétail, on a pas du tout d'amitié, d'accord, génial. C'est pas grave, ça va venir avec le temps, vous en faites pas. Hop là. Il faut savoir que plus vous avez de cœur avec un de vos animaux,
plus il va faire des produits de qualité. Enfin, plus il aura de chance de faire des produits de qualité, plutôt. Ouais, c'est comme ça. Sauf le cheval c'est un petit peu plus spécial, puisque le cheval ne produit aucun, entre guillemets, produit du terroir. Parce que oui, si vous ne le saviez pas, un cheval, ça ne fait pas de lait. Vous pouvez toujours essayer de le traire, mais bon, évitez quand même. Il ne pond pas non plus d'œufs, hein, je ne crois pas que les chevaux pondent des œufs. Évidemment, hein, c'est de l'humour. À quoi ça sert d'avoir un cheval s'il ne sert à rien? Le cheval va juste nous servir à nous déplacer très rapidement. Mais le cheval, c'est un petit peu plus... c'est un peu différent des autres animaux. Puisque lui, il va tout simplement... lorsqu'on va gagner des cœurs avec lui, il va courir un peu plus vite. Enfin, courir, galoper plutôt. Plus vous aurez de cœurs avec votre cheval et plus il ira vite. Voilà, c'est ça un peu le principe. Contrairement aux autres animaux que vous pouvez avoir dans votre ferme, eux, ils vous produiront des produits de meilleure qualité. Le cheval, lui, sera plus rapide. Et ça, c'est quand même plutôt bien d'avoir pensé à faire ça. Et oui, c'est bien ce que je me disais, ça faisait pas assez longtemps qu'on était venu sur cette île, du coup il n'y a rien à ramasser. Ah, il y a un petit chat noir. Hop là. Du coup on va monter là-haut quand même pour vérifier s'il n'y a vraiment rien. Ça bug beaucoup, hein. Ah si, il y a une noix de coco. Et j'avais dit que les noix de coco on les mettrait de côté. Pour Owen, parce que Owen, hein, ce monsieur, aime beaucoup les cocktails de noix de coco. Et je crois que pour faire un cocktail de noix de coco, il nous faudra un pot à mariner. Donc ça, faudra qu'on achète. On essaiera de se l'acheter. Hop là. Et si on lui offre à son anniversaire, ça pourrait être sympa. Là, je cherche juste la femme de Samson. Parce que je crois que je voulais lui parler. J'avais un truc à lui dire, je crois. Par rapport à Selena, comme quoi on lui avait bien donné sa lettre. Je sais pas si vous vous souvenez. On va essayer de trouver. Je sais jamais comment elle s'appelle. On va aller voir. Normalement, elle peut se trouver par ici. Ah, elle est là, très bien. On va essayer de pêcher un petit coup. Tiens, ça pourrait être sympa. Si on peut choper un maï-maï. Ah oui, donc elle voulait bien me parler. Ciao, Selena est venue. Ciao. Moi, quand je dis ciao, c'est pour dire au revoir. Toi, c'est pour me dire bonjour, mais pourquoi pas. Ah, c'est Susan, ouais. Selena est venue nous rendre visite. Merci, Namazu. Elle est déjà repartie. Pour l'île Gaufrette, je suis si contente qu'elle ne soit pas partie à cause de nous. J'espère qu'elle continuera à garder le contact, évidemment. Hop là. Merci beaucoup pour ton aide. Je voudrais te donner ça pour te remercier de ta gentillesse. C'est une Raymanta. C'est très dur à attraper. Une What the fuck, man? Et je mets ça dans ma poche. Ah, je suis pas d'accord, hein. Tu as reçu une Raymanta, c'est un gros poisson. Ah non, 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 Oh, c'est dégueu. Dans sa petite poche sur le côté, elle nous met une grosse Raymanta comme ça au calme. À plus tard. Ok. Et elle nous remercie en nous donnant un poisson. Bon, pourquoi pas. C'est pas grave. Non, mais c'est vrai qu'une Raymanta, ça coûte pas mal. Enfin, ça rapporte pas mal. Après, on va peut-être pas la vendre. Parce que je sais pas si on en aura besoin plus tard. Je ne crois pas. Mais au cas où, on va quand même la garder dans le frigo. Je crois qu'on a un frigo, je suis pas sûre. Bon, au pire, on la mettra dans la caisse à outils. Hein. Évidemment, on met nos poissons dans la caisse à outils. Ils sont de toute fraîcheur après ça. Ok, bon, j'ai pas l'air d'avoir de poissons. Ça bug énormément. C'est très embêtant. Très 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 embêtant. C'est dommage.
Mais bon, tant pis. Et puis en plus, ça... Ouais, non, vas-y, ça me saoule. Ça ne veut pas fonctionner, tant pis. On va pas rester là 10 ans. Ouais, non, là, ça bug trop, c'est presque injouable. J'aime pas ça du tout. Au début, ça me faisait rire, mais là... Là, ça va me faire rager si ça lag autant. Non, non, on est là pour se détendre. où est le bateau, s'il vous plaît? On va essayer de rentrer chez nous parce qu'il est déjà 15h. Et le temps de faire le chemin, je pense qu'on arrivera, pile à la bonne heure. Pascal, tu veux retourner? Oui, on retourne. Et les temps de chargement ne lag pas, c'est bizarre ça. Bah tant mieux, hein, vous me direz, mais... Parce que je vois le nombre de FPS, vous ne le voyez pas évidemment, mais moi je le vois. Je le vois et ça me dérange. Je le vois, il oscille entre 14, 13, 10, 9 même parfois quand c'est vraiment très très lent. Et pendant les temps de chargement, il remonte à 24, 25. On perd quand même 10 FPS. Bon, c'est pas énorme, hein, mais bon, c'est de la Wii, c'est normal. Ok. Enfin, bref. On va pêcher ici. On va essayer d'avoir un petit peu plus de chance. Je l'espère. Ah, les FPS dans cette région ici, ça ne... Enfin, reste constant. En tout cas, il reste autour de 20. Ce qui est étrange que ça ne bug pas par ici. Tant mieux, en tout cas. Ah, mais pourquoi vous voulez pas que je vous pêche? Pourquoi? S'il vous plaît, un petit poisson, s'il vous plaît. Non, bon, ça veut pas mordre. Pourtant, l'appât, il bouge, mais... je sais pas. Ça ne mord pas. Bah oui, ça ne mord pas. Je vois ça, hein, t'inquiète. Pas besoin de me le rappeler. On va essayer un dernier petit coup ici. Ah bah, il y a un poisson, ça tombe bien. On va essayer un petit coup ici, bah voilà, nickel, ça marche. Hop, j'ai un poisson. Allez. Ah, je suis en train de défoncer la manette. Ok. Waouh, une pieuvre. Bon, je sais pas si ça rapporte beaucoup, mais bon, c'est pas grave. C'est sympa quand même. On va essayer d'en pêcher un autre, tant qu'à faire. Puisque ça a l'air de mordre par ici. Ah, ah, non. Non. Ah, 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 non. Ah, non. De toute façon, ça veut rien dire hein, que la paille bouge, enfin le bouchon il bouge. Que la ligne bouge plutôt. Il faut juste qu'il y ait un point d'exclamation au-dessus de notre personnage, mais là il n'y en a pas, donc bon, ça mord pas. Je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas assez de niveau en canne à pêche ou je ne sais quoi. Parce que j'ai l'impression qu'on... Enfin, on pêche pas beaucoup de poissons à chaque fois. Je pense que c'est parce qu'on n'est pas assez haut niveau en pêche pour pouvoir pêcher tous les poissons. Je sais pas du tout. Faudra vérifier ça. Ok, bah il est 18h, on va rentrer chez nous. Hop là. Tranquillement. On va rentrer nos petits animaux, puis je sais pas si on se fait une autre journée, je ne sais pas, j'hésite. Allez, si, on va se faire une autre journée, parce que quand même, se laisser ici, ce serait un peu dommage. On va mettre en vente... Non, on va pas mettre en vente ça, on va mettre en vente juste ça. Et puis ça, j'en ai pas besoin au final. Et ça non plus, pas pour le moment en tout cas, donc allez, hop, on bazarde tout ça. Le reste, on va aller le stocker, puis on va se coucher, et on va se refaire une autre journée, mais très très rapide celle-ci. Juste histoire de dire... Hop, on va se coucher direct. Bonne nuit. Je crois pas qu'on ait de frigo. Ça serait peut-être bien de s'en acheter un. Mais bon, c'est pas très pressé. Alors, combien on a gagné? 2390 en culture. Waouh! 80 en élevage. 80 en mine. 140 en pêche. Et 20 en autre. Ce qui nous fait un total de 2710 gold. Ça passe. Ça passe très bien même. Ok.
On va juste déposer des trucs dans la boîte. Ça et ça. Ok, très bien. Hop là, du coup on va sortir, on va s'occuper de nos animaux, récolter ce qui peut être récolté dans le champ. Et puis ensuite on va aller se coucher direct. Il faut quand même avancer un petit peu dans le jeu, ça serait pas mal. On a un œuf de poule correct. Flappy va bien aujourd'hui, bah c'est très bien. Où est Attila? Attila, où es-tu? Ah, il est là. Ils sont trop mignons quand ils sont bébés. Bon, là, on le voit pas trop, mais... j'hésite à faire un autre... Allez, hop, on est fou. On est des dingues. On est des oufs, nous, tac. Allez, hop, un nouveau poussin pour bientôt. Ok. Quartier de la rivière Caramel. Ouais, je me suis dit, tiens, si on faisait un autre poussin encore... De toute façon, les poules, plus on en a, mieux c'est. Parce que une seule poule toute seule, elle rapporte pas grand-chose, mais plusieurs poules ensemble, elles peuvent rapporter pas mal. Hop là. Du maïs, comme d'hab. Faudrait que je vérifie quand même la recette du maïs, mais ça, je trouve ça bizarre que ça n'ait pas marché. Hop là. Donc on va sortir tout le monde. On va arroser tout ça. On va aller voir Owen, hein, comme tous les jours quand même, c'est important. Très très important. Hop là. Et à 3 coeurs, on est bientôt, enfin bientôt, peut-être, je ne sais pas exactement, mais quand on aura 3 coeurs, ça sera pas mal. Et puis il faut savoir que à 4 coeurs avec Owen, on aura un nouvel événement. Un peu plus important que celui qui s'était passé à 2 coeurs. Et il y aura aussi un autre événement à 6 coeurs et encore à 8 coeurs. C'est tous les deux cœurs en fait qu'il y a un événement. Et à 4 cœurs, si je me trompe pas, non, je pense pas me tromper. À 4 cœurs, normalement, il vous invite à déjeuner. Ou un truc dans le genre. Ce qui est plutôt sympathique. Donc, voilà, on essaiera de faire ça. Hop là. En tout cas, ouais, avec Owen, ça se passe plutôt bien. Les animaux aussi, ça va venir. La ferme commence vraiment à évoluer, on va dire ça comme ça. Plutôt pas mal notre ferme pour le moment. Hop là, il faudrait juste... ouais, il faudrait vraiment qu'on avance entre guillemets dans le jeu, qu'on change de saison et qu'on avance dans nos recettes. Ça va vraiment être notre objectif. Mais pour le moment, on est un peu bloqué, quoi. Hop là, très bien. On va aller voir Owen et puis on va se rentrer. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour le moment. Le truc qui serait bien, parce que là je vois que j'ai assez d'argent, c'est peut-être d'acheter un mouton. Ça pourrait être bien, un mouton, non? Ouais, ça pourrait être sympa. Mais bon, on a déjà eu une vache il n'y a pas longtemps. On a eu aussi un poussin. Un mouton, ça serait pas mal, honnêtement. Moi je dis, ça serait pas de refus. On va aller ramasser les herbes. Eh ben écoutez, ouais. Ah, j'ai envie de m'acheter le mouton. Ah, j'ai envie de m'acheter le mouton. J'ai envie d'acheter le mouton vraiment, vraiment très fort. Donc on va sûrement aller acheter le mouton. Ouais, moi je suis comme ça. Vous voyez, j'ai envie d'acheter un mouton. On va acheter un mouton. Hop, on va mettre en vente tout ça d'abord avant de faire des bêtises. Ok, c'est bon. Ouais, j'ai envie d'acheter le mouton. Ouais, moi je suis comme ça. J'ai envie d'acheter un truc, tac, je l'achète. Dans le jeu, hein, pas dans la vraie vie. Hein, parce que sinon, ça. Ce serait un peu bizarre. Mais c'est vrai que là, on a pas mal d'argent. Et puis, ça sert à rien d'économiser pour le moment. Donc, je me dis, autant acheter direct. Ça pourrait être bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez pas me répondre. Oh. On va aller ça. Ouais, on va y aller. On va aller acheter le mouton. J'en ai envie, voilà, comme ça, en fin d'épisode. Allez. On va aller acheter le mouton. Pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin, ils verront le mouton. Ok, très bien. On lui a offert deux cadeaux aujourd'hui. Bon. Oula, je. En fait, je vous ai. Je dis depuis tout à l'heure, j'ai failli tomber, mais. C'est parce qu'en fait, je suis assise actuellement. Pas sur une chaise.
Mais une chaise. Chaise! Oh là là, c'est compliqué. Hein. Ouf! Je suis tellement habituée au cours à parler anglais ou chinois que j'en perds mon français parfois. Excusez-moi. Du coup, ouais, je suis assise en fait sur une. Je sais pas comment ça s'appelle. Une giga ball ou un truc dans le genre. Vous savez, les boules de fitness là, enfin les gros ballons de fitness. Super cool. Et ben en fait, je suis assise là-dessus. Donc bon, c'est pas très confortable, mais c'est plutôt sympa quand même. Ça rebondit, donc depuis tout à l'heure, en fait, vous me voyez pas, mais si vous pouviez me voir, vous verrez que je suis tout simplement en train de sauter hein, dessus, sur ma gigaball. Assise, hein, évidemment, je suis pas debout. Sinon, ça serait plutôt bizarre. Mais voilà. Et du coup, parfois, ça fait un petit bruit de grincement. Et du coup, bah voilà, ça vient de là. Du coup, on va s'acheter la nuit. L'agneau. Ah, il faut lui donner un nom. Fluffy. Non, non, je vais pas l'appeler Fluffy. Fluffy. On va l'appeler. Je sais comment on va l'appeler. Cette fois-ci, je sais. On va l'appeler Chippy. C'est nul. Chippy ou Shipper? Ah, Chippy, Shipper. Shipper, c'est pas mal aussi. Shipper. Ouais, non, c'est trop copié sur Dora, non. Parce que ship. Ah non, mince, c'est pas comme ça que je voulais l'écrire. Chi. Ship en anglais, ça veut dire mouton. Bon, j'ai rajouté un Y à la fin. Bon, ça fait un petit jeu de mots, shippy. Bref, c'est nul. Voilà. Voilà, on a un nouvel animal. Oula, j'ai fait un drôle de bruit. Ok, on va acheter du coup, puisqu'on a assez d'argent cette fois-ci, une brosse pour pouvoir brosser nos animaux. Et oui, évidemment, une brosse, ça sert à brosser. Merci, Namazu. Du coup, on va pas tarder à rentrer. Et ben, ça lag plus du tout. Je pense que l'épisode précédent a fini d'être. A fini son rendu, donc ça c'est plutôt pas mal. Ici, il n'y a rien à ramasser. Ici, il y a deux petits trucs. Une myrtille. Je crois qu'on peut faire du jus de myrtille normalement avec un mixeur. Mais bon, je crois qu'on n'a pas assez d'argent pour s'en acheter un. Pour le moment, du coup. Du moins. Hop là. Du coup, on va rentrer à notre petite ferme. À notre fermette. Et on va aller voir Chippy. Chippy. On va aller lui dire bonjour. Et puis ensuite, on va aller se coucher. Vous voyez, on aurait quand même fait quelque chose dans cette fin d'épisode. J'avais dit, on va se faire une petite journée tranquille, très rapide. Mais en fait, non, on a acheté un petit moutmout. Et ça, c'est cool. Moi, j'aime bien les moutons. Je trouve ça mignon. Tout mignon. Bon, ça sent pas très très bon parfois, mais c'est mignon quand même. Un peu là. Ah, j'ai rien dit en fait, ça lag toujours autant. J'aurais mieux fait de me taire. tiens, maintenant que t'es là, je crois que je peux lui offrir encore un cadeau. Donc je vais en profiter. On va lui offrir une herbe verte. Tiens, cadeau. Hé, hey, t'en vas pas. Non! Hop là. J'ai encore un cadeau à lui offrir pour aujourd'hui. Ouais, c'est bon, ça passe. Je pense qu'on est bientôt à 3 coeurs avec lui. Si on continue comme ça, je pense que. Ouais. Je pense qu'on sera bientôt à 3 coeurs. Hop là. Du coup, on va rentrer chez nous. On va aller voir Chippy. Et puis, on va se laisser juste après, je pense. Voilà. On va aller voir la couleur de Chippy d'ailleurs. Parce que c'est comme pour les vaches. Les moutons, ils ont aussi des couleurs. Je crois qu'on peut avoir un mouton noir et un mouton blond. Ça dépend. Voilà. Bon, moi je m'en fous un peu de la couleur des moutons, mais c'est surtout de la vache. Je voulais vraiment avoir une vache noire et blanche. Après, le mouton, qu'il soit noir ou blanc, honnêtement, je m'en fous un peu. Mais je tenais vraiment à avoir une belle vache. Ok. Il est ouf. Donc, est-ce que tout le monde a mangé? Oui. Attila a mangé, Milka a mangé, Flappy aussi. Du coup, on va sortir Chippy, puisqu'il est à l'intérieur. Ouais, ça faut pas oublier. Les animaux que vous achetez sont directement placé à l'intérieur d'un bâtiment.
Ils sont pas dehors en plein air avec les autres. Et voici Chippy, et il est blanc. Bon, il est blanc. Moi, je me souviens que dans toutes mes autres parties, ils étaient noirs. Enfin, je crois, je sais plus, mais je crois que oui. Mais écoutez, ça n'a rien à voir avec les autres parties que j'ai fait avant. Enfin, quand je dis avant, c'est il y a 3-4 ans. Hein. Et du coup, maintenant que j'ai la brosse, on va les brosser, évidemment. Hop, on va en profiter. Voilà. Par contre, on va les rentrer parce que je vais aller me coucher. Et du coup, le seul à pas avoir mangé, c'est Chippy. Parce que les autres ont déjà mangé dehors. Du coup, on va le nourrir et puis on va aller se coucher. Oula, mon téléphone qui est tombé. C'est pas grave, il a l'habitude. Cadeau, non. Voilà. Ok, c'est bon, il a mangé. Ok. On va regarder nos amitiés là, tout de suite. Voir si on a augmenté de cœur. Il est plus facile aussi de monter en amitié avec le bétail que les... Enfin, les vaches et les moutons, puisque les vaches et les moutons, contrairement aux... aux poules, on peut les parler et leur parler et les caresser, que les poules, on peut juste leur parler. Voilà, c'est un petit détail, on s'en fout, mais voilà, je tenais à le dire. Ok, bah tout le monde est rentré, toutes les récoltes ont été mises en vente, tout est bon. On peut aller se coucher. Bonne nuit. Ouf, et puis après je vais aller reposer ma voix, parce que là je suis au bord de l'agonie. 900 cultures, c'est tout ce qu'on a gagné. Bah, c'est quand même pas mal. Et ma gigaball grince un peu. Hop là. Ok, bah écoutez les amis, on va se laisser ici. J'espère que c'est... Ouh, ma voix est partie en cacahuète. Je suis désolée. Oula, ça a dû vous faire bizarre. Ouf, excusez-moi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et si vous avez envie, évidemment, mais pour me soutenir, c'est mieux. Enfin bref, vous connaissez les bails, moi je vais vous dire rendez-vous au prochain épisode. Portez-vous bien, amusez-vous bien, détendez-vous bien, soignez-vous bien aussi si vous êtes malade comme moi, bah, et rendez-vous au prochain épisode. Bye bye!